Merci au Dieu de Papa Florian. Parce que vraiment, il y a ma fille qui a 12 ans. Elle est en quatrième. Donc je ne sais pas. En tout cas, elle ne sont pas. Franchement, elle travaille bien. Donc je ne sais pas si les sorciers ont voulu gâter ses yeux. Un matin, elle se réveille, ses yeux sont enflés. Depuis Pâques, sont enflés. Donc bon, on mettait les médicaments, on partait à la pharmacie, on nous donnait les médicaments, on mettait là-dessus. Mais ça n'allait pas. Et après, on a commencé à aller à l'hôpital. Partout où on passait, on nous disait que c'était kyste, qu'on devait suivre une opération. Donc on a pensé que c'était pas vrai. Donc jusqu'à la 43e bima, arrivé là-bas, on nous a dit la même chose, qu'on doit suivre une opération. Donc j'ai appelé ma tante Virginie, parce que c'est elle qui m'a emmenée ici. J'ai appelé Virginie, j'ai dit, ah tante, voici ce qui se passe. Elle me dit, non, il ne faut pas accepter. Si tu as accepté, ils ont opéré la fille, mais tu as gâté son visage, il aura cicatrice, ce n'est pas bon. Donc il ne faut même pas accepter. Va chez papa Florian. Donc elle insistait comme ça, j'ai dit, oui tante, je suis partie chez papa Florian, mais je ne suis pas allée vers lui. Je suis allée à la prière avec elle. Elle dit, va chez papa Florian. Choisis un jour et va chez papa Florian avec elle. Donc c'est comme ça que je suis venue avec la petite chez papa Florian. Arrivé ici, j'ai expliqué à papa Florian. Et il a pris sa serviette, il a touché la petite sur ses yeux. Et il m'a dit, va chez tante, comment ça s'appelle, la dame qui donne les éléments. Maman Irène, elle va te donner les éléments. Donc je suis partie chez maman Irène, elle m'a donné purée, elle m'a donné sang de Jésus. Donc arrivé à la maison, c'est ce qu'on a fait, sang de Jésus. Purée, elle a purigé, elle purigé, elle a fait son traitement à la maison. Et je suis allée la déposer à Makore. C'est là-bas qu'elle est. Arrivé là-bas, elle est partie, elle sang de Jésus. Donc chaque soir, je l'appelais. Elle mettait, il disait à la servante de rappeler la petite, ne pas qu'elle oublie. Non, c'est dans ça, elle mettait, chaque soir, elle mettait, mettait, mettait. À chaque fois quand je vais là-bas, je vois qu'il y a le sang de Jésus sur ses yeux. Et avant-hier, elle m'appelle, elle me dit, maman, je dors, il me réveille, il n'y a plus rien. Donc je ne croyais pas, elle dit, aïe, tu es sûr? Elle dit, oui. Donc je suis allée taper la porte de ma voisine. Elle dit, voisine, ma voisine, ma mère vient ici. Elle dit, il y a ce que Sylvia vient de me dire. Donc je m'en accourue pour voir. Effectivement, je suis partie à Makori. On dirait même pas qu'il y a eu quelque chose. Et ça s'est aplati. C'est comme cela que c'était. C'est comme ça ses yeux étaient. C'était plus gros que ça. Donc ça coulait. Ça fait que ça coulait. N'arrivait pas à bien fermer ses yeux. Ça coulait. Et ça, les pus, ça faisait sortir les pus. À chaque fois qu'on essuie, à chaque fois qu'on doit essuyer. Parce qu'il y avait les pus, la pu. C'est ce qu'on dit, non? En bas. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il n'y a rien. Hier même, il était là-bas, il n'y a rien. Ça va. Donc, je dis merci au Dieu de Papa Florian. Amen. Comment c'est un grand témoignage avec le Dieu de Papa Florian? Dieu de comment Papa ça tourne à tout? Vraiment. D'accord, que Dieu vraiment te bénisse. Amen.